Une des plus célèbres nouvelles de Borges, l'approche d'Al-Mutasim, met en scène un étudiant de Bombay, désorienté par les fureurs civiles et religieuses de son temps, le nôtre, et qui erre à travers les bas-fonds de l'Inde. Au cœur de l'infamie, il advient qu'il perçoit inexplicablement dans les propos d'un misérable quelque chose de limpide et de supérieur, une tendresse, une exaltation, un silence. L'étudiant arrive à cette conviction mystérieuse. Quelque part sur la terre, il y a un homme d'où procède cette clarté. Cet homme, il décide de consacrer sa vie à le trouver. Ainsi commence, dans une Inde mystérieuse et profuse, la quête d'Al-Mutasim. Indépendamment de toute interprétation littéraire ou philosophique, je dois ici avouer une opinion. Je connais peu d'histoires, au sens le plus simple du mot, qui m'est paru à ce point envoûtante, qui transporte leur lecteur avec autant d'efficacité vers l'aventure et le mystère, toujours dans l'acception grand public de ces termes. Quitte à paraître égaré par l'enthousiasme, j'affirmerai que l'approche d'Al-Mutasim, par la qualité de l'aventure qu'elle nous fait vivre, par la puissance de sa charge imaginaire, par la présence frémissante, odorante, multiple de l'Inde, s'égale pour moi à un chef-d'œuvre tel que Tintin au Tibet. Même présence latente des signes, même substrat initiatique, même splendeur de l'invention, même économie remarquable des moyens. J'y tiens. Entrer dans Borges, ce fut d'abord pour moi franchir le seuil d'une légende des siècles, multiple, colorée, diverse, pleine d'énigmes, de signes, de trésors. D'un monde régi par des lois secrètes et fascinantes, combien moins pauvres et lassantes que celles, nécessité, hasard, besoin, implacable limite, auxquelles notre pauvre vie nous soumet. Sectes, guerres, espions, enquêtes, barbares, gauchos, magie, orient, labyrinthe, anticipation, complots menés à l'échelle des siècles, tout ce qu'il y a dans la littérature de jeux, d'enfance perpétuelle, d'émerveillement et de fables est ici. La signification de ce monde fictif, la répercussion de ces interrogations et de ces hypothèses sur nos idées et notre conception du monde, le point de vue en somme que Borges propose ou oppose à son siècle, tout cela apparaît ensuite, mais il y a d'abord la magie. Une autre séduction s'exerça d'emblée sur moi, celle de l'auteur. Je ne parle pas ici du vieux monsieur aux yeux perdus, au manteau sombre, du voyageur nobélisable, trop photographié, trop interviewé, dont les revues littéraires du monde entier ont multiplié la silhouette. Je parle de celui dont on entend la voix dans les livres de Borges. Celui qui aime à parler de miroir indécis ou de fatiguer une encyclopédie. Celui dont l'ironie se plaît à dévoiler dans ses récits mêmes les erreurs de la mémoire ou de la légende. Otalora prend la tête des Uruguayens, il a l'épaule traversée par une balle, mais cet après-midi il s'en revient au soupir sur le cheval bai du chef et cette nuit-là, il couche avec la femme aux cheveux de flamme. D'autres versions changent l'ordre de ces faits et nient qu'ils se soient produits en un seul jour. Ou encore, le texte qui fut épargné par les flammes jouit d'une vénération spéciale et ceux qui le lurent et le relurent